Bonjour à tous, c'est Amélie, j'espère que vous allez bien. Nous voilà de nouveau confinés. Donc, comme le sport est essentiel pour conserver un bon système immunitaire et comme il est parfois difficile dès lors de se rendre régulièrement en salle, je me suis dit que peut-être il était temps de prendre l'habitude aussi de faire des petites vidéos chez nous ensemble. Donc, aujourd'hui, je vais vous proposer une série d'abdominaux plutôt confirmé. Comme d'habitude, je proposerai les options, mais il est vrai que ce sont des abdos qui travaillent particulièrement bien. Donc, on fera ensemble 3 fois la série, mais clairement, si vous avez besoin de pause, n'hésitez pas. Voilà, soyez toujours à l'écoute de votre corps, puisque n'étant pas face à face, je ne peux pas venir vous corriger, donc je penserai à vous donner le maximum d'indications pour que tout le monde puisse faire ces 3 séries avec moi. Alors, je ne mets pas de fond musical, de cette façon, j'ai pas de problème de droit d'auteur avec YouTube, et puis vous pouvez de votre côté plutôt mettre une musique qui vous plaît, vous pouvez même faire des pauses à tout moment. Voilà tous les avantages donc des vidéos. Je vais essayer maintenant d'être régulière. Jusqu'à présent, vous avez vu, j'ai pas réussi à vous poster toutes les semaines, toutes les 2 semaines. Donc, je ne sais pas encore comment je vais faire, mais je vais me tenir à ma régularité. Je vais peut-être essayer de maintenir les cours en live que je vais vous proposer dès samedi et qui seront disponibles en replay ici sur cette chaîne. Donc, live sur mon groupe Facebook que j'invite à rejoindre si vous avez Facebook. Je vous mets toutes les indications en descriptif de cette vidéo, donc n'hésitez pas à aller le consulter. Donc voilà, dès samedi, un petit planning susceptible d'évoluer en fonction de vos besoins et de vos retours. Enfin, je voulais vous dire que dès lors, si je suis régulière, si vous voulez me soutenir, parce que ben, ça prend du temps et que ça demande énormément d'investissement, soit vous m'offrez un café, je vous mets également un lien en descriptif, soit vous craquez sur un objet digital de ma boutique ou peut-être même un coaching à distance basé sur les glandes endocrines, soit passez tout simplement sur mon site MyFitness, le site. De cette façon, pour vous, c'est gratuit. Moi, en fait, je réussis à m'en sortir grâce au trafic. Et puis, vous retrouverez donc plein d'informations diététiques, sportives, bien-être, tout ce qui est nécessaire pour garder la forme, la ligne et pour vous sentir bien. Donc voilà, je vous répète, tout ceci est en descriptif de la vidéo. Bien, je pense qu'il est temps de commencer. Donc, on va y aller. Donc pour notre premier exercice, vous allez être allongé sur le dos, surtout serrez bien le ventre et faites attention à ce que vos jambes n'aillent pas trop bas. Vous allez comprendre. Ici, on va démarrer avec donc les genoux fléchis. On va enrouler légèrement le bassin. C'est léger, hein, n'envoyez pas trop les jambes vers l'arrière. Et puis, on va retendre ici tranquillement. Et donc, c'est dans cette phase d'extension qu'il faut bien faire attention. Vous devez trouver la limite entre la zone qui travaille et le fait de ne surtout pas devoir creuser le bas du dos. Donc, ce qui est nécessaire ici, c'est de voir à quelle hauteur vous placez vos jambes lorsque vous les tendez. Hein, ne les descendez pas trop bas, ne creusez pas le ventre et serrez donc bien le ventre d'ailleurs. Ne creusez pas le bas du dos et serrez bien le ventre. De cette façon, on protège le bas du dos. Profitez aussi, surtout ici, de cette extension. C'est-à-dire qu'on profite de retendre lentement, peut-être même de rester un peu avant de repartir. C'est juste un petit enroulé. Voilà, voilà. Allez, n'oubliez pas, inspire et ici, j'expire dans l'effort. Alors, ça commence à bien travailler là, je pense. Allez, juste encore un peu. Allez, on va faire une petite pause. Ici, tout simplement, on va fléchir, fléchir. Tendre et tendre. Donc ici encore, c'est dans la phase d'extension des jambes que vous travaillez le mieux. À vous de trouver la bonne hauteur, mais vous voyez, c'est quand même un peu plus sympa hein, cet exercice, puisqu'ici, on profite d'une pause un peu plus grande lorsqu'on réfléchit les genoux. Allez, n'oubliez pas d'accompagner avec une respiration plus profonde. Ça aide énormément. J'inspire, je fléchis.
Et on expire, on retend. Voilà, voilà. Allez, juste encore un peu. Et maintenant, on va rester avec les genoux fléchis au-dessus des hanches. Juste, on décolle les épaules. Surtout, serrer le ventre. Et on va faire des petites pulses. Petites pulses en décollant les épaules. J'insiste. Ce sont les épaules qui décollent et qui vont permettre l'enroulement de votre grand droit et sa contraction. Éloignez également le menton de la clavicule. Ça, c'est fondamental. C'est pas votre nuque qui travaille vos abdos. Alors aussi, surtout, on serre le ventre ici parce que sinon, vous pouvez avoir des descentes d'organes, mais vous les aurez plus tard. Donc, pour éviter tout ça, c'est dès maintenant, pensez à toujours bien serrer le ventre. Enfin, pour ceux qui auraient malgré tout des tensions ici derrière la nuque, vous pouvez très bien sûr, placer une main juste derrière, voilà, juste en soutien. Et on décolle les épaules le plus possible pour bien sentir ici nos abdos qui chauffent. Allez, juste encore un peu, soufflez bien.
voilà donc pour cette petite routine d'abdos à faire et à refaire, peut-être aussi à adapter au niveau du timing, au niveau des options en fonction de votre niveau de pratique. J'espère qu'elle vous a plu, je reste à l'écoute pour tous vos retours. Et bien sûr, n'oubliez pas de liker, partager cette vidéo si elle vous a plu et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Je vous remercie et je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos.